Quelle importance le Père Chevrier accorde-t-il à la dévotion aux saints? Alors, je crois que ce qui est important chez le Père Chevrier, c'est qu'il a des grandes figures de référence dans l'histoire de l'Église, qui sont pour lui des modèles. Et on le sait parce que dans des répertoires, il s'attarde sur la vie de tel ou tel saint de l'Église et il souligne ce qui le touche dans leur exemple. Alors, il y a des grands personnages qu'on connaît hein, dans sa vie de prêtre. D'abord, il a une grande dévotion pour son saint patron, saint Antoine du désert, saint Antoine l'Égyptien, en particulier parce que c'est un homme qui a choisi le dépouillement complet. Et puis, il y a François d'Assise. Il est franciscain d'une certaine manière, Antoine Chevrier. D'ailleurs, il va adhérer au tiers ordre du Saint-François, il va faire adhérer ceux qui vont accepter de le suivre, les séminaristes, puis celles qui vont devenir des sœurs, il va les faire adhérer au tiers ordre de Saint-François. Il a une grande dévotion pour Benoît Labre, qui est ce saint qui a choisi la pauvreté absolue, qui est devenu un mendiant, un pauvre des pauvres. Voilà, donc il a ces figures de référence qui sont ceux qui vont l'encourager d'une certaine manière dans la vocation qui est la sienne, c'est de se faire pauvre avec les pauvres au milieu des pauvres. Voilà. Et puis, il y a aussi toutes les figures de sainteté qui peuvent l'entourer. Alors, quelle conscience est-ce qu'il a? Par exemple, il a pour ami de séminaire Jean-Pierre Néel, qui a été canonisé, qui a été missionnaire en Chine. Il va connaître d'autres personnages, comme Aymar, qui a été un prêtre, qui a lancé la dévotion à l'Eucharistie, qui lui aussi a été canonisé après. Bon, à l'époque, il ne peut pas imaginer, sans doute, mais il a fréquenté des saints. Il est sensible, bien sûr, aussi à l'œuvre de Pauline Jaricot, c'est ses contemporains. Et puis, il y a le curé d'Ars, qui a été canonisé par le peuple avant de l'être par l'Église. Dès les années 1830, la réputation du curé d'Ars est énorme, avec des foules immenses qui viennent le voir. Et Antoine Chevrier est sensible à cela. Il ira, d'ailleurs, après l'événement de sa conversion de Noël 1856, et il ira consulter le curé d'Ars, c'est à 40 km de Lyon, pour avoir, d'une certaine manière, la vérification de ce qui s'impose à lui, de ce qu'il ressent. Quoi. Et il sait que le curé d'Ars, c'est un saint. La rencontre est brève, hein, ça se passe au confessionnal, et Antoine Chevrier expose au curé d'Ars son expérience et l'appel qu'il ressent. Il va être dérouté parce que le curé d'Ars va lui répondre, puisque le curé d'Ars lui dit « Vous serez riche ». Alors lui, il veut être pauvre, le curé d'Ars serait riche. Il va mettre un moment avant de saisir ce que le curé d'Ars a voulu dire. Puis il ne reverra plus le curé d'Ars après. Le curé d'Ars va mourir. Ensuite, Antoine Chevrier ira plusieurs fois en pèlerinage à Ars. Mais ce qui est tout à fait passionnant aussi, c'est de savoir, quand on regarde ces deux personnages, il y a un lien très fort en réalité. C'est que le curé d'Ars, il y a des témoignages qui disent, lorsque des Lyonnais venaient le voir, ils leur disaient, mais allez à la Guillotière, vous avez là-bas un saint. Quoi. C'est assez extraordinaire. Puis on sait aussi que Antoine Chevrier a conservé une dévotion, outre le fait d'aller en pèlerinage à Ars, dans sa chambre, sur son prie-Dieu, il y a deux petites figurines, le curé d'Ars et Saint François. Donc ça nous dit quelque chose de l'attachement d'Antoine Chevrier à ces personnages. En fait. Mais c'est toujours comment est-ce que ces témoins de l'Évangile peuvent nous aider à grandir. Voilà. Pour lui, c'est Jésus-Christ qui est tout. Hein. Mais... Oh, c'est le modèle. Il y a des modèles qui vont aider à approfondir cette connaissance et ce mystère de Jésus-Christ. Revenons à Antoine Chevrier lui-même. Peut-il être considéré comme un modèle pour la famille du Prado?
un saint pour l'Église dans notre contexte aujourd'hui? Alors le Prado a toujours considéré qu'Antoine Chevrier était une figure de sainteté et un modèle. Et depuis que le père Chevrier a commencé son œuvre, ben, ça fait maintenant plus de 270 ans qu'on regarde le père Chevrier comme en effet un modèle de sainteté. Alors ça veut dire quoi un modèle de sainteté? C'est un ami de Dieu. Voilà, je crois que la bonne définition du saint, c'est un ami de Dieu. Quelqu'un qui montre un chemin aux autres. Et par son expérience, un chemin et qui nous donne envie de le suivre parce que Jésus-Christ a illuminé sa vie, parce que Jésus-Christ a rempli sa vie. Voilà, donc on a envie de le suivre. Mais il est un modèle pour aujourd'hui aussi parce que il est novateur, il est prophète à sa manière, Antoine Chevrier. Quand il nous rappelle que la bonne nouvelle, elle est d'abord annoncée aux pauvres, elle est faite pour la libération des pauvres. Et que Jésus-Christ, pour faire connaître la volonté du Père, pour faire connaître le royaume, pour nous faire entrer dans la dynamique du royaume d'aujourd'hui, il a choisi la pauvreté. Donc il faut que nous aussi, nous choisissions la pauvreté. C'est un rappel dont nous avons besoin, parce que ce n'est pas évident de choisir la pauvreté. Et ce n'est pas évident non plus d'être convaincu que la bonne nouvelle, pourtant c'est Jésus qui le dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Elle est d'abord annoncée aux pauvres. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ?» Je lui répondis, « Monseigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. »